Salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur ma carrière suivie sur F1 2014 sur le circuit des États-Unis. Et on se retrouve pour les qualifications. Donc Q1 qui vient de débuter. Météo complètement sèche pour les qualifs. Par contre, on nous annonce une météo 100% pluie pour la course, ce qui va pas arranger nos affaires. Donc on va tâcher de faire les meilleures qualifications possibles. Et puis pour la course, on tâchera de faire au mieux parce que c'est vrai que les conditions pluvieuses ne sont pas forcément ma tasse de thé. Mais on tâchera de faire au mieux. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, on va essayer de s'en défaire au plus vite. Et donc on va tout de suite partir en piste pour aller prendre un petit peu la température. Un circuit des États-Unis qui est un circuit que j'apprécie particulièrement. Le temps de retrouver un petit peu mes marques. Parce que pour tout vous dire, comme vous l'avez vu sur la page Facebook, là les dernières semaines qui viennent de passer, là les dernières vidéos que vous avez vues, c'était un petit peu le rush pour le tournage et le montage de ces vidéos. Puisqu'il fallait que je prenne 2 semaines d'avance, pas plus, pas moins, pour pouvoir vous proposer du contenu pendant les vacances. Sachant que là, moi, en fin de semaine, donc vous verrez cette vidéo donc dans 2 semaines. Et moi, là, en cette fin de semaine, là, je pars en vacances rejoindre Cédric. Passer un week-end, passer 2 semaines en famille. Et donc, du coup, pour pas que vous soyez en peine de contenu, il fallait que je prenne de l'avance un petit peu. Donc, il va falloir que je prenne mes marques, hein, puisque ça fait longtemps que j'ai pas tourné sur ce circuit, même si je l'apprécie. Ça fait pas tout. Puis, ça va être vachement compliqué cette histoire de pluie là, j'en ai peur. Donc ici, zone de DRS, on a deux hein, sur le circuit, il y en a une ici et l'autre sur la ligne de départ arrivée. Vous avez aussi retrouvé la coop là il y a à peu près 2 semaines. J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, ça nous a fait plaisir à nous de recommencer le tournage de cette coop parce que ça fait un petit moment qu'on n'y avait pas retouché. Puis bon, repasser sur fin 2013, c'était quand même pas non plus super évident. C'est vraiment regrettable que sur F1 2015, on ne puisse pas faire de coop. Mais bon, on reviendra pas sur le sujet. Alors que Kiat pour l'instant signe le meilleur chrono, je me pointe avec le cinquième temps. Cette ligne de départ arrivée hein, qui est très atypique hein, puisqu'elle est en montée un petit peu, on est un petit peu catapulté vers les airs, on pourrait avoir l'impression, un petit peu comme dans le Space Mountain. Et puis arrivé en haut, une énorme épingle à gauche. Pas mal de patinage là. Décidément, ce matou qui veut pas me lâcher, c'est très désagréable. Alors, on se souvient tous du magnifique duel entre Weber et Vettel. Pas sur le circuit des États-Unis, hein, mais. C'était sur le. Sur un autre circuit un peu similaire où on avait les deux pilotes dans la zone de DRS qui s'étaient mis hors piste, tous les deux. Vettel qui avait été un petit peu trop ambitieux et qui avait voulu à tout prix prendre l'ascendant sur son coéquipier qui finalement avait conduit à l'abandon des deux Red Bull.
J'ai un affreux trou de mémoire quant au nom du circuit, mais je pense que dans les commentaires, vous allez vous empresser de me le rappeler. Allez, on va se concentrer un petit peu, puis on va tâcher de faire un bon chrono là. C'est un circuit qui est extrêmement vallonné. Ça monte, ça descend, ça tourne. Blocage de roue ici, au freinage de l'épingle. Bon, c'est le 16e temps, ce qui me permet de potentiellement accéder à Q2. Néanmoins, c'est un peu juste. Il va falloir qu'on repasse par les stands pour les remettre de l'essence dans la voiture. Et puis, pourquoi pas passer un train de pneus tendres, puisque de toute façon, on n'aura pas besoin de pneus tendres pour la course. Chilton ici hein, qui freine en plein milieu de la piste sans aucune forme de respect. Et Hamilton qui nous signe à 1.43.315. Là aussi en matière de respect, on peut dire que le pilote britannique montre ce dont il est capable. Ici, la clé de ce virage, c'est vraiment de prendre le point de corde pour pouvoir rester en accélération tout le long, mais avec les pneus médiums, c'est difficile. En tout cas, sur cet opus, c'est difficile. Cette entrée des stands qui est aussi particulière, parce qu'on a vite fait de se retrouver dans un mur. Alors on va pas prendre de risque, on va rentrer au stand, passer les pneus tendres et ressortir en piste pour aller améliorer son chrono, parce que là pour l'instant on a toutes les chances de ne pas passer en Q2. Ah, des réparations sur mon véhicule. Je ne vois pas pourquoi. Au témoin d'un doute, hein, je vois pas à quel endroit j'aurais pu toucher, abîmer la voiture. Donc, il reste 3 minutes dans la séance.
Allez, on est parti pour un chrono. Je suis sorti un petit peu large, du coup j'ai récupéré un petit peu des marbles sur les pneus. Premier secteur qui est en violet, on va voir le deuxième. Là on est à fond sur la pédale de frein quand on arrive à l'épingle. Le deuxième qui est en amélioration mais qui n'est pas violet. Le bloc Ferrari qui est en mal de puissance par rapport au bloc Mercedes, forcément. Et en couple, la ligne de départ arrivée en 1.44.417, ce qui donne la 7ème place. Et si on regarde, on va quand même essayer de se montrer un petit peu. Voir si on est en mesure de prendre les meilleurs chronos de partout. Alors que la session est terminée et de toute façon on passera en Q2, on va quand même voir ce que ça donne dans les autres secteurs. Tous les pilotes sont en piste, sauf deux. Pour l'instant, les deux premiers secteurs qui sont en violet. Ah, la blocage de roue. Je pars complètement à l'extérieur, donc à mon avis, ça m'aura fait louper ce chrono. Dommage, parce que ça partait bien, hein, pourtant. On va quand même aller au bout du tour pour voir ce que ça donne. Et c'est un 1.40. 4.055, j'ai amélioré, hein, mais ce sera pas suffisant pour aller chercher Lewis Hamilton. Mais néanmoins, ça nous aura permis de passer en Q2. Donc on va regarder un petit peu les éliminés de Q1. Donc on a Esteban Gutiérrez, Kamui Kobayashi, Marcus Ericsson, Jean-Éric Vergne, Max Hilton et Jules Bianchi. Donc les chronos, hein, qui sont pour les 5 premières voitures sous la minute 44. Donc on n'était pas loin, hein, mais... On va voir comment ça va se décanter dans la session suivante. Je vous avoue que je ne suis pas en confiance de savoir que la pluie fera partie de l'énoncé pour la course. J'aurais quand même espéré avoir une course assez tranquille. Allez, on va passer tout de suite aux affaires. On va aller en piste. Avec donc un train de pneus neufs tendres. Et on se retrouve juste derrière Rosberg. Hein. Ça nous fera notre poisson pilote, on va dire. Toujours intéressant d'avoir une voiture devant soi qui nous fait un petit peu des repères de freinage. Pour voir un petit peu comment l'IA se démerde. C'est ici, hein, dans ce virage-là, où on s'est loupé au freinage tout à l'heure. Qui nous a emmené tout droit dans les marbles.
Alors, on se bien qu'il fera notre poisson pilote, mais espérons que ça ne soit pas plutôt une gêne qu'autre chose. On verra bien. J'ai un petit peu coupé l'épingle là. Ça n'a pas été pénalisant. Peu brouillon ce premier secteur, on aurait pu faire mieux. J'ai le blocage de la roue avant droite. Cette fois-ci, c'est à l'avant gauche que ça bloque un petit peu. Les chronos qui commencent à tomber, et Vettel qui signe un 1.42 là, qui marque tout de suite son territoire de façon autoritaire. Et c'est 1.45 pour moi. 1.42.946 pour Vettel. C'est assez hallucinant comme chrono. Où est allé chercher le pilote Red Bull les 3 secondes qui nous séparent. Premier secteur en violet parce que c'est sûr, je l'ai nettement mieux réussi. Mais le deuxième secteur, c'est pas sûr. C'est en amélioration d'une demi-seconde quasiment. Une 44.778, c'est le 11e temps pour l'instant. Je suis à 245 millièmes de retard hein, sur le 10e, pardon. Donc il faut que je trouve 2 dixièmes sur Button. Je perds du temps, ça doit être dans le deuxième secteur à mon avis. Et Alonso qui se met à signer le meilleur chrono. On va rentrer. On va rentrer au stand. Parce que déjà il me manque de l'essence pour continuer. Et puis de toute façon, j'ai un petit peu coupé la trajectoire. Ce qui fait que mon tour est dévalidé. Donc bon. Une 42 et quelques. Mais où sont-ils allés chercher ce chrono? Sachant que ces mecs-là. Même s'ils ont pris des réglages pour du sec, ils vont être tout aussi performants sur la pluie. Voilà, j'ai une seconde 2 de retard sur Button, c'est pour vous dire. Il y a
2 secondes d'écart entre le 11e et le premier. C'est énorme, c'est simplement énorme. Première save de chrono. Je m'attendais à un meilleur résultat quand même. Alors qu'on a Romain qui rentre en même temps que moi. Et du coup se trouve un petit peu gêné. Il y a encore des réparations sur la voiture, c'est assez étrange cette histoire. Allez, on est reparti en piste. Il reste 2 minutes dans la séance. Et on va tâcher d'aller chercher un chrono pour passer en Q3, hein, ce qui est pour l'instant pas gagné. Hein. Je suis arrivé assez confiant sur ce tracé, mais peut-être trop confiant. La première tentative manquée. Il va falloir quand même se dépêcher parce qu'il reste 1 minute 10 pour finir le tour. Et il faut impérativement passer la ligne de départ arrivée avant que le chrono arrive à zéro. Espérons qu'on puisse le faire. J'ai passé le mélange pauvre pour économiser de l'essence, pour pouvoir repartir en mélange riche pour une autre tentative. Il y a 30 secondes pour les couper à une de départ arrivée. On se dépêche. Ça a été juste, juste. Hein. Ah mince, c'est pas possible. J'ai encore un peu trop coupé le virage. Et du coup, le temps invalidé. Et du coup, cette séance qui se terminera là pour moi. On va quand même aller au bout de ce tour hein, pour aller voir ce que ça donne. Ah, c'est dommage. Cette qualification qui va se terminer là pour moi avec la 11e place. De pas grand chose, hein. Je suis allé foutre les deux roues en dehors de la piste. Surtout que là j'étais en amélioration. 6 dixièmes de mieux dans le deuxième secteur.
Et ça allait se finir avec un 1.43 800 et quelques qui m'aurait permis d'accéder à Q3, hein, puisque on voit qu'avec un 1.43 et quelques, j'aurais mis dehors Button et je me serais inscrit juste derrière Lewis Hamilton. Donc parmi les éliminés de Q2, donc il y a moi-même, Danny Ricciardo, Romain Grosjean, Adrien Sutil, Pastor Maldonado et Sergio Pérez. Voilà qui conclut avec cette séance de qualification, mon coéquipier qui avait signé le meilleur chrono à l'issue de cette séance. Voilà. Donc, cette séance qui se termine, les objectifs de l'écurie qui ont été atteints, donc tout le monde est content. Moi, j'aurais préféré faire mieux. Et je vous dis à dimanche pour la course. En attendant, portez-vous bien. Et sur ce, salut à tous.